Bonjour Vio. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour à tous. On a un petit invité ici. On a une autre invitée derrière, peut-être qu'elle va venir nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous allons voir plus de Gancho. Enfin, j'ai vu plus de Gancho aujourd'hui. J'ai appris plus de Gancho aujourd'hui. Avec plus de précision. Voilà, avec plus de précision. Donc on va... que je parle avec plus de précision ou les Gancho avec plus de précision? Les Gancho. Ok, d'accord. Ok, c'est parti. Tu es prêt? C'est bon? Allez, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Bon, on va commencer directement avec les Gancho. Donc, close to you and puppet. Oui. De l'autre côté. Bien. Ok. And with this. C'est peut-être plus facile comme ça. Très bien. Enlevé, tu avais une araignée. Très bien. Oui, bien, bien, très bien. Oui. Sorry. Not good? Oui. Oui. No? Oui. Ok. Parfait. This is complicated because I see your feet is too close and... Oui, mais je ajustais quand okay. Tu entres. Très bien. Wow. C'est good, non? Oui, 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 c'est okay. Bien, c'est and bien. Now? Oui, c'est... Oh, non, non. Très bien, parfait. Good? Oui. Ah, ah. Problème? Oui. Maybe oui. More close, oui, yes. Oui, oui. Plus proche. Oui. No, sorry, sorry. Oui, parfait. Okay. Très bien, très bien. Oh, pardon. Encore? Pas. Comme ça, ouais. Oui, oui, oui. Ok. Très bien, très bien. Là, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que la différence entre chaque mouvement en tango est assez subtile. Donc, on se rend compte que c'est pas comme d'autres disciplines où en fait, il suffit juste de faire ton mouvement. Je prends un exemple, capoeira, l'art martial brésilien qui fait office de danse aussi.
tu fais ton mouvement, la personne doit éviter le mouvement, et puis voilà. Mais là, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment, c'est un dialogue. C'est un dialogue, et que si jamais je fais le mauvais mouvement de départ, la mauvaise intention, eh ben, ouais, c'est compliqué quand on y pense. Mais c'est comme tout. Au début, c'est toujours compliqué, et après, bah, c'est facile quand on connaît. Donc, ouais, c'est vraiment très subtil. Le moins petit mouvement, le moins petit mauvais mouvement de bassin, de hanche ou de bras, eh ben, ça peut induire une mauvaise question, on va dire, et donc une mauvaise réponse. Donc, il faut être vraiment en symbiose et il faut vraiment connaître son corps. Mais ça vient au fil du temps, quoi. Au début, on a du mal à contrôler son corps quand on fait de nouveaux mouvements. Et donc là, le but, c'est de réapprendre à bouger. De toute façon, c'est comme ça, quand on change de discipline, c'est qu'on réapprend totalement à bouger. Après, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Et puis voilà, donc je vais travailler ça. Je vais travailler ça pour que ça devienne automatique, pour que ça devienne un automatisme. Ok, boom. Chaque mouvement, parce qu'il y a un mouvement de corps, il y a un mouvement de bras. Donc ça fait beaucoup de choses à mémoriser. Ok. Bon, bah écoute, on se dit demain, 22e cours, oui. Demain, on espère avec nos amis, hein, qui vont danser avec nous. Allez, on dit au revoir. Au revoir.